Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Batela ekolo, bindele koyate. Boye malamu na GKM Television, bino balandina biso, ba téléspectateurs ya GKM Television, pe bien évidemment, ba téléspectateurs to pe ba amoureux ya émission Debout Congolais. Na souhaité bino bon lundi pe na pe sibino boye malamu, lokola na mo mesano. Boye biete yambo émission na biso ebanda na zakanati na ya ko rappeler na bino ete justice ya Nzambe moto mon côté Aisha paka na contrôle na yango elinkoloba ete nyonso biso tolona ka en terme des actes que nous posons toyeba kanako récolter yango yanke to peyuma ndengo mibengaka riche ou pauvre puissant ou faible yeba yango que tôt ou tard tu finiras par les payer le prix de tes actes. Salakaka malamu po nyonso yo za ko sala les a comptabiliser. Soki ozo kantaki oyo salaka na nkuku, moto moko te amona kango yeba ke liso Nzambe za ko mona yo. Rien de ce qui est caché ne restera éternellement caché. Il y a quelqu'un au-dessus de nous. Vraiment na ba loi ya karma ayeba ka futisa biso nyonso to salaka lokola mabe. Voilà très rapidement na kei na kati actualité ezali kokumba nga liboso na bino mokolo ya lelo. Actualité na biso ezali très dominé na voyage en prison Félix Tshisekedi na Genève pa yapi ya kendaki ko assister na 52e session du Conseil des droits de l'homme. Situation en droit de l'homme ezali très critique na République démocratique du Congo. Président de la République ya kendaki kuna me kuna pe Azanga kite koloba maloba par rapport à l'agression au Congo et zanango victime pe kosenga na communauté internationale kosenga pe na Nations Unies pour être ba sanction ezoama concernant ba auteur ya ba crime na ba massacre perpétré na est ya République démocratique du Congo. Donc na mokwa na mumesa noté bien te voyage et sali polémique mais président de la République a sili pe koloba makambo moko ezali important. Rolandango awa toyeba situation élection ezali ndenge nini soki insécurité ezali ko persister dans certaines zones et puis ezali ko mba déplacer ya lobela ki yango lobela ki situation ya ba droit de l'homme a lobi na Congo oyo ya ezali bakanga ka lisusu batu pona ba opinion politique na bango te sauf pona ba politicien oyo bazali arrêté pona ba droit commun. Toujours dans le cadre ya mobembo ya président de la République pe discours na ye na tribune wana ya conseil ya droit de l'homme, président de la République a soulevé point moko ezali très capital ezali ko singa na biso to se pencher na yango to fongola miso po toye ba nini penda ya solo ezali ko leka pe po na nini président de la République a singa ke tripartite ezela. L'information ezali que le président de la République Félix Tshisekedi a demandé qu'il puisse y avoir une réunion tripartite RDC, Rwanda, na au commissariat des réfugiés, en y associant les chefs coutumiers et les différentes communautés. Pour na les Kambouetali, les réfugiés, il y a différents pays autres, les réfugiés congolais ou basali kuna, puis retour il y a les réfugiés rwandais ou yo basali sur le sol congolais. Parce que yango ezali objet, il y a balibi ebele ou yo Paul Kagame azali ko inventer pour na ko justifier men mise na etopé bokoti na ye na kati ya territoire congolais. C'est une question na yebi boza ebele boza ko mitune tuna ebele bato ebele boyebi singa erreur nini wana Félix Tshisekedi aligni ko commettre ya ko kende ko fongola page ko loba ete ba réfugiés congolais bazali na Rwanda bazonga n'est-ce pas soutenir la balkanisation. Vous êtes comme ça nombreux à vous poser des questions, les réponses peut-être et qu'on a la bébauche à réponse, tout peut qu'on a la réponse à travers l'analyse de tout ça, la sikasika, na bino. Toujours dans le cadre de notre actualité, nous irons à l'est de la République démocratique du Congo, côté de Maïza Koleka Kuna, et Zalina, situation moko et salike, tout perdre, ba point, tout perdre vraiment, région wana ya Mushake ikende na maboko ya ba terroriste ya M23 ne bazako tanga ngo kasi comme d'habitude comme à l'accoutumée
on peut le dire, Ezaka Kanaba généraux traître, trahison et salemaki le sous. Na certains généraux oyo ba sepela ki na bango ko collaborer na ennemi. Et puis il faut savoir que ba zone ebele oyo M23 azali ko viser ezali ba zone oyo ezali peuplé na ba rwandophone. Chaque fois que bazali ko occuper ba région wana, on remarque qu'il y a une population qui reste avec eux. Population ezali banane. Toko yano lango toujours na kati ya émission oyo. Parenthèse, il y a émission na biso ezali likambo oyo botuninga samba olonga ozoko lobelango te nanga lobi élection à 2018 ezalaki accord. Il était témoin d'un accord oyo ezalaki que mboka ben descend ezala éviter. Avina yo ezali nini samba olonga wana na ko répondre na mutuna oyo botuna kingai. Encore une fois de plus, na pesibino matondo mingi ndenge boponi fréquence ya ba éclairé. GKM Télévision, ce qui est en balana ya liboso, au rejoindre tando o ya GKM Télévision na mungongo ya samba olonga. Abonnez-vous pour être membre effectif de Debout Congolais surtout. N'hésitez pas de partager nos émissions. Tala yangona voisin pour y pas comment éclairer. Laissez en commentaire depuis quelle ville vous soutenez nos phares d'essai. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous voulez faire un geste, le numéro est en bas de votre écran comme le message. Vous êtes en train de les voir. Félix Tshisekedi na Suisse. Kuna Yakei ko participer na 52e session ya Conseil des droits de l'homme. Comme à chaque voyage, boyebi batu ba mituna kakaka yango ye alembaka avion te. Hein, avion ezalaka nini pona Félix Tshisekedi. Bon, au moins lui-même a déjà eu le temps de vous répondre dès le début de cette aventure que ezalaka nango parti ya plaisir te. Ezala nango pe villégiature te. En tout cas, vous excusez nga soki moni français ezape na ba lapsus nango. Donc ezali parti ya plaisir te ndenge ya lobaki arriva kapé. Vraiment que avant d'en aller pembeni ya mwasi na ye na bana na ye maman première dame, mais le devoir l'oblige à être tout le temps ko kende na babisika wana. Tozwa tamingi ya ko expliquer pourquoi le président de la République s'accroche toujours na likambo etali mebembo. Est-ce qu'il ne peut pas se faire représenter? Est-ce que voix na ye vous avez entendu te? En tout cas, on arrive à comprendre que le président Félix Tshisekedi atenaka ke ye moko azala sur place na ba situation o esengaka ko plaider pour la cause de la République démocratique du Congo. Il a sa façon de faire la diplomatie et on le voit même bien sûr à travers ma processus et bien salement que ce qui Félix Tshisekedi est présent, vous sentez qu'il y a quelque chose qui avance et il y a un poids politique à accorder na katia démarche wana. L'autre raison to lobela kaka na ba plateau ezali que le président fait face aussi aux Congolais au Tozali. Biso ba Congolais, tout suite, tout comme il nous pendant la maturité politique ou essentialité pour batika ou bien ba déléguer pouvoir constamment. Biso pas na biso ceux qui ba déléguer yo moi parcelle y a pouvoir au comme roi na quartier au comme nani au comme kingandi. Ça c'est entre guillemets. Au Congo les gens doivent apprendre à faire nouvellement la politique. Les Congolais doivent apprendre beaucoup. Na cadre ya renouvellement ya classe politique na biso nga nazo senga même na ba université ba tangisa ka civisme politique. Donc naza ko lancer défi na ba professeur na biso ya civisme ya République démocratique du Congo et singeli na bino ko élaborer ba brochure to pe ba ouvrage oui za ko permettre na ba jeune personne na ba jeune gens na ba citoyen congolais oyo bazana vocation à cause la politique éthique et singeles à la nini. Il faut encourager de plus en plus de Congolais à écrire beaucoup sur ces parce que zomona ke ba politique ya mboka na biso bazaka ko pesa biso kokoso. Voilà Félix Tshisekedi na 52e session na Conseil à droit de l'homme à lobeli makambo moko très important, l'agression rwandaise. Agression au Rwanda, ça qu'on sait dans le Congo. Situation à droit de l'homme. Parce que bah tout ça est-ce que c'est important qu'il y ait quelqu'un pour annuler tout nous la guerre qui était. Il y a beaucoup de choses à dire et la présence du président de la République dans cette salle Oyo
ezalaki beaucoup plus occupé na ba président ebele ba yaka na bangote. Mais comme les problèmes, les dossiers congolais concernant de, les droits de l'homme, ba exaction oyo ezali commise à l'est de la RDC na ba mouvement terroriste lokola M23 na agression rwandaise tout ça ko subir. Et ça pour justifier l'importance nyonso ya déplacement ya président de la République. Je vous laisse d'abord suivre de ses propres mots le président de la République lors de ce sommet, comment il a parlé de l'agression rwandaise et les conséquences sur les droits humanitaires. Et puis on revient. Pour lesquels, de tous les temps dans le monde, les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. On ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, tout en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ses populations par des groupes armés terroristes. Il est temps que la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, sanctionne les auteurs des crimes et des violations du droit international en République démocratique du Congo et les contraignent davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le même sens, l'État, à travers son système judiciaire et son administration, est l'instrument principal de la garantie de jouissance et d'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'y a d'État et de pouvoir judiciaire que pour garantir à tous leurs droits et libertés, dit-on. C'est pourquoi la République démocratique du Congo attend de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux l'appui à ses efforts afin de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire national et réformer profondément son appareil judiciaire tant dans ses structures qu'en ce qui concerne ses animateurs. C'est bien de dénoncer les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais c'est encore mieux de contribuer à l'amélioration du rendement des mécanismes et institutions chargées de leur protection et promotion, ainsi qu'à leur enracinement dans la culture sociale, notamment par une plus grande spécialisation de la société civile et la formation des administrations publiques concernées. Je vous remercie. Voilà, Nakanisi Bolandi, Tata Mokonzi Ekolo, Félix Tshisekedi, Aza clair par rapport à la situation préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Bamusu Balobi qui est comme le cola rituel. Et si Kanyon Soya Zako Kendaka, Zako Loba Rwanda, laissez-moi vous faire réfléchir que l'acte Oyo, Félix Tshisekedi Zako posé, ils allaient interpréter Nanga Mounabiso de différentes manières. Ils ont un Congolais qui a constaté qu'en tout cas, Félix Tshisekedi fois s'est concentré mingi à l'interne qu'à l'externe. Peut-être que Batu Oyo Bazako Mouna Bongo, Bazali mingi qu'on comprendre été à l'interne qu'est-ce qui est fait par Félix Tshisekedi avant. Bah reprocher que Azali beaucoup plus concerné était à concentré était à l'interne et que Azali beaucoup plus préoccupé à l'externe. C'est à l'externe là, c'est de l'extérieur que vient ou bien qui est né les complots internationaux dont nous sommes victimes. Ce qui m'embête en abyssé le lot Azali qu'au souffrir les complots internationaux qui a été mis en place par des gens souciés de profiter des richesses des Congolais, et ça là qui visait la division paix à bas Congolais. C'est-à-dire, banda les bandes et nakati. Bande qu'on a biso ba faible, des moutou, ba pesa yangonze là. Alors, nous avons tout intérêt, au même moment que nous cherchons à nous organiser, nous voulons que nous soyons concentrés à l'interne, de le faire aussi davantage à l'extérieur du pays, c'est-à-dire la diplomatie. Moni lelo batu baza ko kanisa ke Félix Tshisekedi aza ko loba biloba loba aza ko sala ba voyage ezangatina, mais un homme sensé a ko remarqué que tout ce que Félix Tshisekedi a fait comme voyage a fini par payer d'une certaine manière, même si la logique de nous qui regardons les choses d'en bas
toza ko mona ngo ndenge wana te toza ko senga ki esalema na ndenge o ya biso. Mais on voit que le voyage de Félix Tshisekedi ont mis à nu tout ce qui se passe à l'est du Congo. On libéré balongo libiso na ba chaîne. Moi singo ezaki na lolemo ezaki ko pekisa bato ba lobila agression à Congo. Monique, les langues se délient dans presque tous les pays du monde. Même si tous les acteurs politiques ne sont pas encore d'accord ou bien n'ont pas encore à l'unanimité trouvé une décision pour mettre fin de manière définitive sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, on sent quand même qu'il y a une pression, un vent qui peut amener les changements si les Congolais sont sérieux. Les lots agresseurs à Congo, ils ont le pays nions, ils ont participé à un complot. Si le gouvernement central bazar que Congo est agressé, il faut peut-être quelque chose na Congo. Les opposants de ces pays-là vont dire à la place de leur gouvernement. Ça sent la force de la diplomatie. Les États-Unis yemoko azali au centre ya complot oyo balingaki ko pasola mboka na biso biteni biteni. Azako jurer bango moko bazui Congo ba tie yango na pied d'égalité na makambo Ukraine, même si les actes on ne les voit pas encore. Non, tout le monde va acter parce qu'on attend des sanctions. De la même manière que Bazako sanctionné, parce que moi je pense que Zali, normalité, n'est pas Zali qu'on sanctionné Poutine pour penser que non, il est en train d'agresser l'Ukraine, tout ce qu'il fait. Tu as vu que c'est politique là-bas. Mais le coup là-bas classé par rapport au droit international, que c'est que le Congo subit aussi, Zali n'est pas Mokona Ukraine. Secrétaire d'État américain a dit que, en tout cas, tu as une erreur. Ce qui est considéré comme en Ukraine et qui est en Est à Congo, c'est le Rwanda qu'on accuse, c'est Kagame qui porte la lourde responsabilité. Tout ça, c'est le résultat de la diplomatie de Tshisekedi. Awa, na Conseil des droits de l'homme, qui a lobby, a tchebango le sous na Kingo. Il est important de prendre des sanctions contre les auteurs et les crimes. Ba crime union so présent za ko lobawa eza documenté ou ta ba banda depuis 98 tilelo ba massacre union so ba to droit de l'homme ba nanani ba komaka yango eza na placard ya Conseil de sécurité à Nations Unies. Alors il faut que tous les organes ya Nations Unies ba bouger ata to yebi ke mukili yango esimbami na maboko ya bato ya mutema mabe bato ya kindoki. Donc, qui jamais qu'on lâche aspect diplomatique pour nous défendre Mboka na biso. Jamais. Mais insiste quand on pour nous taler sa bande de coups, on a que pour baza qu'on se laisse manipuler que le président voyage trop, il est dans l'aventure que tous à la loco la bande amique tout baza qu'on disserre biso alors que il faut tous s'unir pour se concentrer na défense Mboka na biso. Les voyages du président de la République sont très importants. Ceux qui aza qu'on voyager pour nous kende ko entreplaka chaque fois conscience ya batouana ezali na tina. Le Congo ne se battra jamais avec toute la communauté internationale. Mais nous devons, en termes du droit international, insister pour que la communauté internationale soit mobilisée à notre faveur. Batcha barrière, ba mettre fin, mais aventure au Bango Mokope Bazali complice. C'est important. Aujourd'hui, le droit international est remis en cause. Hein? Bah, corps rebelle international est remis en cause. Existence, il y a ONU. Les organisations sont censées mettre la paix, ramener la paix et la sécurité dans le monde. Ils sont mis en cause à cause de Makambo et de l'Ekapé dans l'Est du Congo. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi démarche à Zosalabiso, quand c'est Zaka théâtre, mais c'est une façon aussi de les accuser. Que vous n'êtes pas dans les droits. Et vous verrez que d'une manière ou d'une autre, Baza obligé. Il y a qu'on rendre biso justice, que ce soit par notre propre défense, ils sont obligés de nous retourner dans nos droits, de nous respecter en tant qu'État souverain. Il y a un mot Kagame, à Mimingambo, comme à chaque réunion, pour moi, il y a un combat à Kagame, il y a une vidéo, et ainsi de suite. Mais le président ne s'est pas arrêté là. Il y a un réfugié, il y a un awa. Le président a l'obélipé. Likambo, Italie, bas élection. Alobi, la persistance de la guerre à l'Est risque d'hypothéquer les processus électoraux dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours.
par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Makambo toza ko loba élection congolais nyon se foyer bayango. Élection est à routine té. Réélection est à principe, est à culture et à démocratie. Makamoupeli c'est que dans ko loba wa pour certains interprétation na ngue ko za la que Félix c'est que il veut feindre pour gagner du temps et continuer à s'éterniser au pouvoir ou bien prolonger son mandat. Ça, c'est le langage des opposants. Mais dans le contexte normal où tout Congolais doit réfléchir afin de voir clair sur une affaire qui se répète après plusieurs années, Toromitu n'a toqué une élection à trois reprises. Ba élection, bisoto kendaka, ezali kaka na ba population dans des points donnés, ezana ba ndeko na biso oyo, bazalaka privé na droit na bango wana parce qu'ils sont en insécurité. Parce qu'ils sont dans une situation de déplacés internes. Parce qu'ils sont dans des situations où ils ont permettre à Bango que ça là va accomplir devoir civique na Bango en toute quiétude et en toute liberté. Le lot, ça fait déjà trois processus électoraux au Bisotokei. Le processus au Bisotokei, ils ont la et bandaka na koswana et souka na koswana. Des chaos au début, chaos au retour. Kao envisagé au début, Kao envisagé au retour. Na 2006, batu bakufa, oyo bazako kufa na cadre élection, bamusu bazako kufa mandoki ezako lele. De la même manière, en 2011, pendant qu'on allait aux élections, menace, ya M23 ezali ko peser sur le Congo. Wana bakora CNDP uti ko sila babomi CNDP ba créer M23. Nous avons vécu ces mêmes aventures. Tozo kende na ba élection, ya 2018, il y avait toujours des rébellions à l'est du Congo, oyo ba hypothéquer ba élection na biso ba créer chaos de manière à ce que l'élection est salami bat musu batikali à part. Mettons Tshisekedi de côté la logique qui veut que les gens pensent que Félix Tshisekedi veut prolonger son mandat. Et même si c'était le cas. Mais biso to réfléchir le quoi ba congolais. Ce qu'on a moment au biso to zali, on sent que la menace refait surface. Ba M23, ba Télémi, ba mouvement rebelle Moussou, ba Télémi, on voit que ça se dessine encore. Qu'il faut tozonga lissou sous une élection, to sali élection, mais une partie, une très grande partie de notre population, ba kokende na ba élection te à cause de l'insécurité. C'est l'insécurité, yo, ba si ba tanga ki ango benimera ki ango parmi les facteurs qui peuvent faire que les élections n'aient pas lieu. Tant que Denis Kadimaza ko lobawa, Batuna qui est mituna, après ça qui bien agenda naie, après si plan naie, alors bagu que l'insécurité fait partie aussi à Makambo et quoi que ça la élection et ça les manades l'été et ça la repousser ou soit Makamusu se quoi quoi ya et c'est ce qu'on vit. Bato oyo basa la Makambo basa qu'on a besoin qu'on ouais s'organiser t'es. Bah et bien que bah Congolais faut bah vivre banta baba konta kabango. Les Congolais nous vivons comment parce que instrument oyo ezali important ba gouvernant ba se servaka nango po na ko planifier ezali ba statistique ya koye ba population ngo baza combien ko maîtriser ba mouvement na bango ba entrer na ba sortir boye bien ngo tranche d'âge ezali ça ici échappa na contrôle ya l'état congolais na ba animateur ba institution ça fait des années et des années chikoyo na minute oyo un congolais qui réfléchit. C'est les élections qui sont très importantes ou bien c'est d'abord aussi notre organisation en tant qu'État, c'est la paix aussi qui est très importante. C'est-à-dire les Congolais qui réfléchissent sans influence d'un parti politique comprennent que dans le moment où ils sont la priorité à l'organisation. Félix Tshisekedi, s'il faut maintenant aller vers lui, tu retrouves que tant que ça la lecture, il y a bactère politique, tu connaîtras. Lui est un homme à part. C'est quelqu'un qui mérite notre attention, qui mérite notre soutien en tant que Congolais. Moutoukou, il faut encourager Ndeye. Le rôle à mon ami qui a la volonté politique, il y a beaucoup de gens qui sont libres. Un Congolais sensé, même si il n'aime pas Tshisekedi, même si politiquement il a ses intérêts ailleurs, au nom de la pensée républicaine, au nom de l'intérêt, des intérêts supérieurs de la nation, au Kocha Maboko. Pas pour soutenir Tshisekedi, mais pour aider les pays à aller de l'avant. Mais à la base de l'élection, les gens pensent qu'il y était.
bato yo bazana besoin que baya na course o baza ko sala ba calcul na bango ya nombre ba député o esengeli bango bazwa po bazala na ministre bato bazo sala commerce na bango autour ya politique. Ils veulent nous orienter tous seulement vers l'aspect des élections. Des élections qui amènent quoi et pour quel intérêt? Parce que c'est possible que les élections aient lieu en 2023 ndenge otozali. Na kakofoni nyonso, na culture otozalaka nango ya koorganiser makambu toujours dans un objectif de chaos parce que le chaos est orienté déjà parti de l'extérieur. À l'intérieur, on sait que c'est le règne des immatures. La plupart des politiciens congolais ne visent que leurs intérêts. Alors, il y a encore un chaos qu'on veut nous organiser. Tout qu'une élection a climat, moko ya ba tension. Parce que Mindele Bazolia ba chaos wanande za ko lié sa bango. Il profite des richesses du Congo sur base du chaos. Ce qui, à l'est, il y a un grand désordre, il y a l'insécurité. Si dans certaines provinces, il y a l'insécurité, si les acteurs politiques ne s'accordent pas, ils n'ont pas l'amour du pays, baza ko tala plus intérêt na bango, ça profite à l'Occident. Qui a pillé déjà depuis longtemps, ça fait des siècles que Bango va piller à Congo. Et Bassana Bango n'attend pas à terre au land de la Bino. Bino Boswana na Bango est allé Bino. Chers frères congolais, ce point est très important. Il est probable que les élections n'aient pas lieu en 2023 à cause de l'insécurité. Surtout l'insécurité. Parce que, oh, les gens qui te comprendre mal amour. Logique à Félix Tshisekedi, il faut tout soutenir l'armée Nabiso. Il faut tout soutenir des marches naïe qu'on mette fin à cette affaire de Kagame une fois pour toutes. Et on revient à des bonnes, sur des bonnes bases. Otoyebi que nous organisons des élections dans notre pays dans un climat de paix. Mais même Batonsu Amoutem Malam Libanda Mboka Bazo comprendre que les pays, on ne peut pas organiser, il faut organiser un processus électoral crédible, mais. Les facteurs doivent être permettre que les élections là aient lieu. Et le quoi la mutra mutazo ça la business naï. Voilà, ils sont tenus de nous embrouiller. Voilà que ça dit ce que noté tu sais qu'il y a lien qu'on triche. Les Congolais normaux ont déjà compris. Toujours que l'obaming pour n'abattarder. Ceux qui attendent que les choses s'arrangent par rapport à eux seuls, mais pas par rapport au pays. Toujours dans le cadre du Conseil des droits de l'homme, dont le président Félix Tshisekedi a pris part, je vais vous laisser suivre une vidéo où le président parle d'une tripartite Oyo Baza ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration, avocat de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC-Rwanda-HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Mon pays attend impatiemment ces discussions auxquelles seront associées du côté congolais les notabilités coutumières des communautés. Bolandi, président de la République Ndenge Alobi, Makambuya, bah réfugié. Plusieurs fois, je suis revenu sur ces points. Kolobela yango. Awa, président de la République, aza kotali sa ke baza na bosenga ya tripartite moko esalema na Lombango. Réunion misato, ya batu misato, mango masanga misato. République démocratique du Congo, République du Rwanda, na o commissariat ba réfugié. Ba lingi ko résoudre les kambo etali ba réfugié. Pona nini? Likanisho euti e pas président Félix Tshisekedi te ezali Kagame mutu a lobaki pe azali pe ko notifia ngwa za ko komela ngwa na instance a likolo ke ba réfugiés congolais bazali na Rwanda et ces réfugiés là bango baza ko accueillir bango alors que RDC aza ko vouloir te na batu mususu oyo bazali na bambuka na bango. La RDC n'est pas tendre avec les réfugiés qui viennent du Rwanda.
yango Kagame asia tona ki bomona ki mikolele ka ki Kagame lobi ki baza prêt à renvoyer ba réfugiés congolais. Pour ne pas laisser Paul Kagame aller dans son aventure, tout si toloba mingi bato bolanda kanga na plateau yo, je parlais de ces problèmes là. Il y a une aventure créée par Kagame. On est en train de former des jeunes gens, des militaires, des hommes, des femmes, sous prétexte que ce sont des réfugiés qu'il faut renvoyer au Congo. Parce qu'ils sont ici, chez nous, au Rwanda, tout ça, aux zones Sabango, parce que le Congo a attendu répéter dans les réfugiés Moussous. Dans la documentation, il y a HCR, il n'y a que 71 000, si je n'abuse pas, 71 000 réfugiés congolais répertoriés par le Haut Commissariat des réfugiés, HCR en sigle, au Bazako vivre en Rwanda. Alors, Nangambu ya Congo, baza plus de 200 000, au baza connu na HCR. Parce que chaque jour ici, le Congo arrête encore d'autres citoyens rwandais, soit au Bazako kota na Congo, na voya Mouyibi, soit au Bazali ko s'infiltré, Bazali na cadre Rwanda. Alors, le président Félix Tshisekedi a comprendre le stratagème Oyo Kagame Azanango a vouloir se cacher derrière Batouana pour envoyer encore des gens. Parce que pendant tout ce temps, vous comprendrez que dans la zone Oyo M23 Azali, il y a des populations rwandophones. D'où viennent-ils? Certains viennent des zones Oyo Bazalaki Bandakala, avant M23, tout à peu armée rwandaise Bayawana. Ce qui armée rwandaise a zui ba zone wana bango bakotika la batiki ba population mususu baza ba originaire congolais bakimi bango bakotika la wana ba se familiariser na armée rwandaise auto za ko benga M23 et c'est comme ça que bato bakima ka batika ba zone na bango banda kuna bango ba ekuta ba biloko na bango banda kuna bango eza déjà rempli par des personnes ba mususu baza ko uta na Rwanda ba mususu bazalaka déjà wana des randophones qui vivent au Congo. Alors, cette question doit être résolue pour éviter les pires que Kagame prépare. Il y a un préparé chaos. Nous avons tous maintenant les conclusions que Oyo Kagame Azakoluka, c'est le souffle pour gagner du temps. Ayebi naye que diplomatie Félix Tshisekedi a mémié et exposé devant le monde entier. Aujourd'hui, Kombo ya Kagame Azakotanga mamingi parmi les dirigeants au baza cible. Droits de l'homme, agression. Aujourd'hui, Kagame est cité. De la même façon que Poutine, les Occidentaux sont dans cette campagne. Ils sont dans cette campagne. Ils sont dans cette campagne. Si vous avez dit que 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 comment Félix Tshisekedi peut manquer d'intelligence pour résoudre les problèmes au moment où vous. Comment doit-on accepter dans une situation chaotique comme celle-ci de prendre encore des réfugiés, soi-disant des réfugiés congolais au Bazana Rwanda, Kouyana Bangwao? Ce sont des Rwandais. Mes chers frères, n'agissons pas par émotion. Nous devons réfléchir, c'est vrai. Les émotions, les sentiments, ça existe. Mais à un moment, face à un problème, on est obligé, beaucoup plus. Ce dont on a besoin face à un problème, c'est le cerveau, c'est l'intelligence. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les sentiments. Félix Tshisekedi azakosa l'approche au pot et à la claire devant la communauté internationale. Parce que la même communauté internationale est complice. Chaque fois que nous taisons pour chercher à résoudre ces problèmes de notre manière, ba piège à Kabiso. Loko l'azako loba boyokoyo kape, libanda ezana batu oyo, ba ko retenir langage wane ya Kagame balobi, ba réfugiés congolais et tout ça. Pour éviter les pires, tout yena bino. Et puis Félix Tshisekedi a lobi bien que Biso. Donc associer ba chef coutumier na biso na ba différents autorités ya ba communauté wana ya ba tubaza kozonga. C'est-à-dire la réunion tripartite dont Félix Tshisekedi veut que Félix Tshisekedi veut RDC Rwanda HCR ezali d'abord pour na rétablir ba responsabilité. Pe kolande la processus HCR azana modèle na ya koyeba ba réfugié ndenge nini baza répertorié ndenge nini bako kozongisa bango biso pe toza ko veiller toyeba ndenge nini ko salema. Mais quand on va dans le fond, on trouve que cet alibi là n'a pas le droit d'exister. Donc comprenez que cette réunion dont le président parle ezali réunion moko importante pour nous RDC devant le monde entier. Kagame ala ki sabiso naza ko senga bande ko na biso ya RTNC va préparer, parce que tout ça, le média national,
mais naba makamu ya minene ya boy, il faut que tout monde la presse na biso national oyo za kozwa ka bongo ya ba congolais ba ekenda ka bisika ya boy ba filmer yango eleka devant le monde entier to yeba qui sont ces réfugiés là que Kagame a préparé ba réfugiés wana ya za kolinga kozongisa na Congo banane comme ça biso pe to tanda mulongo. Ils ont une bonne occasion. Je pense que le président Félix a profité de l'occasion. Parce que hier, Azali a visé pour créer des ordres dans le Congo sous prétexte que Azali n'a pas rwandophone ou menacé. Pour y aller sous ce côté, il y a des Congo qui ont menacé dans le Congo. Que les deux grandes portes soient ouvertes. Que les Rwandais qui sont au Congo, moi je demande à notre gouvernement qu'il est même important de hausser le ton. Que tous ceux qui se sentent rwandais les demandent, et à la processus, la communauté internationale a salué que la bison macambo. Parce que les pièges qui nous a été tendu à Kofongole Labango porte au Côte Sabango à millions, outre ceux qui étaient venus avant l'indépendance avec la complicité de la Belgique, c'est ce chaos planifié dans un contexte du complot international que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous devons profiter, et ça c'est une aubaine. Le rôle de la présidente de la République à l'Obili Kambo, réunion tripartite et Salema, il faut aussi travailler, réfléchissez, députés congolais, sur la manière de résoudre les problèmes de ces rwandophones qui ne se sentent pas congolais, qui sont obligés de trahir la nation chaque fois. La communauté internationale n'a pas besoin de Yambabango. Il faut demander à la communauté internationale de faire une solution. Bango, il a besoin de la porte. N'importe où il y a Mobutu, il y a Mbabatu. Parce que tous ces rwandophones ne se sentent pas congolais. S'ils sont dans l'armée, c'est pour trahir. Ils agissent en infiltré. S'ils sont dans la police, c'est la même chose. Dans les services de renseignement. Que au même moment, les portes soient grandement ouvertes. Pour que les rwandophones, les rwandais, les originaires rwandais, qui se sentent en insécurité au Congo, rentrent également chez eux. Il est possible que cette procédure-là soit étudiée et proposée par aux Nations Unies. Parce que le comportement de Batou Oyo, tant que nous avons ignoré, tout le monde a compté sa droite, lobby que ce sont des Congolais. Et certains sont nés ici, leurs parents étaient venus, Banababotami Awa, et ils ont le droit de réclamer la nationalité congolaise. Oui, nous avons cherché à résoudre ces problèmes, malgré nous, malgré les complots internationaux. Mais il y a un peu les ODM Bélabiso. Trouvons-nous aussi un moyen. De la même manière que ces gens ici, pour ceux qui veulent partir, il doit y avoir... C'est ici maintenant l'importance de revoir notre constitution, de revoir nos lois. Les minorités dont on parle dans nos lois, oh, ma minorité, on ne sait pas quelle minorité. Parce que les ethnies, il y a plus de 400. Les tribus, il y a kili kili. Les minorités, ils ont wapi. Wapi banani basé ebeli. Donc, on comprend que le piège est là, mais comme aujourd'hui la vérité est au grand jour, profitons, je ne sais pas, la commission est chargée dans Makambo, dans le Parlement congolais, topé na niveau ya baba, l'Assemblée nationale, ceux qui réfléchissent sur le problème. Parce que nous avons là en face de nous des citoyens congolais à notre charge, qui sont rwandophones, pour ne pas les appeler tout et outre. Et certains parmi eux, la majorité d'ailleurs, qui sont du Rwanda, de la tribu Tutsi, Baza Kolingate, donc Baza na Congo, mais leurs intérêts sont au Rwanda. Lorsqu'il s'agit de défendre le Congo, Bango Baza na Bangote, ce sont eux qui acquisent le Congo, qui n'ont pas l'habitude de Tovan. Mais il faut résoudre ça par l'éducation, par les lois. La loi ne va pas discriminer Bangote. Il faut qu'on rappelle, c'est là où le civisme devient important. Et même pour les autres personnes, on va changer la nationalité. Et c'est important que Moutou ait une identité. Les Chinois, le ministre des Affaires étrangères, on procède comment pour avoir la nationalité congolaise. Les gens qui ont des Congolais, ils ont imposé la Bangonine. Ce point est très important pour nos frères qui ont émis des inquiétudes concernant le choix du président de demander cette réunion tripartite, considérer cela comme une aubaine. Bisounyo sotolo balikambo oyo. Que Kagame, s'il est prêt, reprenne aussi tous les réfugiés rwandais qui sont au Congo, qui ont besoin de rentrer au Rwanda. Et ceux qui veulent rester ici, ils doivent fournir de vraies raisons pour lesquelles. Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas la guerre.
pourquoi ils sont réfugiés chez nous. Et les Hutus, oyo baza na Congo, baza ko senti que le régime à Kagame est menaçant contre Bango. C'est le moment d'exiger une table ronde au Rwanda, que tous les Hutus ici, les rwandophones, au besoin de zako benga awa, va se constituer peu en nombre, va sa la mobilisation à Bango, pour exiger que pendant qu'il y a réunion RDC, Rwanda, HCR, les problèmes du dialogue, il y a ici des Rwandais qui ne veulent pas rentrer là-bas parce que Kagame a été torturé, a été bombardé. Voilà. Mais comment on a le problème à trahison, Félix Tshisekedi a trahi Bino? Nous avons dit, les réflexions continuent. Nous avons parlé de manière la plus claire que les Congolais soient comprendre de quoi il s'agit. Voilà, et puis pour terminer, toujours continuer à Ouattara, le Beli Likambouya, est la République démocratique du Congo. Situation tendue, naba combat au Ezako Lekalelo, aux alentours de Sake. Et on nous informe que Mweso n'est pas sous contrôle de M23. Notre armée continue toujours à contrôler ce coin-là. Mais, Batoubaza Koutouna, pourquoi l'armée replie? Pourquoi les officiers militaires d'origine rwandaise ont été pour la plupart des trahir na front? Baza ko continuer ko garder bango na ba poste wana tout près ya ba frontière tout pe na ba zone wana. Est-ce que bisika mususu ya kotinda bango ezate? Point d'interrogation. Tumonaki awa ke bisika oyo balongolaki ba originaire wana rwandais ba tie ba congolais mususu tumoniki ba avancer salemaki. Nous n'allons pas aller fouiner beaucoup dans les stratégies de notre armée. Nous savons qu'il y a des choses qui se font à l'abri du regard. Lorsque tu as commis déjà la phase guerrière au Rwanda, il est très important que certaines choses soient secrètes. Si la RDC va réellement engager la guerre contre le Rwanda, la stratégie ne sera pas connue de nous tous. Donc, on a l'ingaki na bosse et souka quelque part. Voilà, les Kamboyo bolobaki awa ya Corneille Nanga, mutuna na bino botuna kingai, na l'ingaki na bosse nango, mutuna oyo ya Corneille Nanga alobi ba élection, azalaki témoin ya ba élection moko et ses soldats qui na un accord, accord wana evitaki ki e ben de sang na mboka makile tangate. Ba interprétation ezali kili kili, Corneille Nanga azali na tangote. Yakoloba été ba élection ezalaki accord parce que yé muta publié ki résultat yé muta organisé ki ba élection. Soka lobby que Félix Tshisekedi a gagné ki ba élection té isengeli ba kangayé yé ndé muto aliboso. Ça ne se fait pas. Mais l'accord qu'on connaît tous biso so ba congolais to yébi, c'est l'accord FCC cash pour la gouvernance. Résultat ya ba élection et ça là qui que ba tu ya FCC de manière numérique. Ndenge basangana ki na banini na bango babimisa ki majorité na bango esengaki que il faut muto abimi président a collaborer na bango basa l'accord politique qui permettre que ba gouverner ensemble. C'est le seul accord qu'on connaît. Alors s'il y a un autre accord o esalemaki, si le contexte de propos de monsieur Corneille Nanga est dans le cadre d'envenimer la situation ndenge moni o balobi ezaki accord ba tebele pe basombi yango ba komi ko poster yango à M. Corneille Nanga d'aller expliquer à ceux qui ont compris, qui n'ont pas compris le contexte. Parce que comme candidat président, il y a Joseph Kabila. Nous, nous savons que Corneille Nanga était là avec Joseph Kabila. Il y a des députés aujourd'hui qui devaient être, des gens qui devaient être députés. Oui, bah, comment va députer pour Nanga? Alors, Félix Tshisekedi a gagné les élections. Il avait tous ses moyens de défense. Azalaki na ba preuve na yenyonso. Azalaki prêt à fournir. Ceux qui disent qu'ils avaient aussi gagné les élections à leur tour. Tu évites pas prévu bango bazalaki nango. Mais nous, tout ce que nous savons, c'est que Corneille Nanga, tant que les Congolais bazakotala, c'est quelqu'un qu'on assimile à l'FCC parce que s'il y a des comptes à rendre au peuple congolais, Corneille Nanga aussi le fera. Aujourd'hui, il s'est dit candidat président.
C'est le kabilisme en action. Si Kabila est frustré, il y a des gens qui sortent de tous bords. Mais si Ben Desai est là qui est évité. Mais quand c'est de la même manière, ce sont des gens qui doivent avoir honte, baza pe ko profiter. Cet accord-là de gouvernance pour gouverner ensemble sur base des résultats des élections, et ça là qui peut gagner nanga na bakabila. Félix Tshisekedi avait bel et bien gagné les élections. Mais les résultats, il y a makambo etali députation, même les pourcentages à makambo d'élection, ils ont manipulé na ba chiffres. Dans le laboratoire, il y a Kabila, ils ont été dirigés par Nanga. Alors, ces gens-là qui ont pris l'habitude de nous manipuler ont toujours tendance à chaque fois qu'on ressortir des bas moko, ils ont les résultats à labo. Tu as vu que les renseignements na bango mouti fabrika qui makambo etikali na mitu ya ba Congolais, libela. Oui, comme ça qui Henri Magie, le coup Moutou est un problème. Non, garçon, aujourd'hui, le président de la République, garçon, il n'avait pas gagné les élections. C'est ce qui Moutou a Congolais, Moussou, c'est ce qui est côté Ngama, que Félix Tshisekedi a gagné l'élection. La faute aux médias occidentaux, aux Congolais, il a perdu sa confiance. La faute aux services et renseignants, aux renseignants et les kabilistes qui ont travaillé dessus pour que l'opinion pense que Kabila a perdu le pouvoir, Kabila a gagné l'élection. Ce qui nous comprend, c'est que vous allez manipuler tant que vous avez un peu de temps. Maintenant, il y a un peu très important à toi, c'est que le président a aussi à l'occasion, il y a discours na yatena qui na Suisse, il a aussi rencontré la diaspora suisse que j'ai salué déjà beaucoup bandeko union so bolanda kabiso à partir ya Suisse. Que cette phrase nous a beaucoup attiré: notre patience, ma patience, notre patience a des limites. Kagame ne gagnera pas cette guerre. Ça, c'est le président Félix Tshisekedi à la diaspora congolaise de Suisse. Basi ba yobisi bino, hein, président a rassuré bino. Si vous avez d'autres maîtres à penser, à vous l'embrouille. Tant que vous avez s'embrouiller, ceux qui ont besoin de faire sa conférence, c'est de confiance. C'est que vous avez un maître à penser, vous avez informé sur le Congo chaque jour. Nous connaissons que malgré qu'il faut être méfiant, qu'il faut être debout, qu'il faut vérifier, une vigilance citoyenne, il faut être là. Mais Félix Tshisekedi mérite la confiance. Voilà pourquoi il est obligé d'être soutenu. Ayebi Subino clairement que Kagame a gagné la guerre ou yata mukete. Nous sommes en guerre. Point barre. Deux généraux, hein, bah généraux Moussoumi Balé, bah trahissaki les sous, bah disparaître dans la nature. Guerre est toqué. Allez, bah tout le monde Mibale, bah s'est détaché. Na quand y a Bitumba. Bakimi porté disparu. Ah, biso peut aussi te lobaïge. So bozui moutoazo trahir bino na front. Bosi la nakana front. Quelque part, ça paraît criminel, ça paraît hors de la loi, mais aussi longtemps que peine de mort, ils en a nous ressuscité. Nan balongoli en goûté na moratoire. En tout cas, quelque part, ils en a nous mabé parce que c'est se rendre justice, mais les traîtres n'ont pas droit à la vie. Bosunga kabango. Bazo nga kakote ba uti. Soki li felo, soki wapi o bango bako kendaka. Ba famina bango ye ba gesete de traître de la nation. Donc la trahison continue dans les rangs de notre armée. Armée na biso pe zo continue ko sala moussala nango. Tango guerre e zala ka déclenche ba lo bakate. Mais ye Kagame moutwa ye bi ke de manière silencieuse makamu ebele salami na Congo pe zako continue ko salima. Usu ya souka e zali. Basi balaka ki awa Félix Tshisekedi azal kulaka batu nyonso guerre wana akoganyaka yango te. Faites confiance à notre armée. Oh balobi bazuli susu oyo oh bazuli susu bar les résistants ou les mai mai qui défendent leur patrie bazana torte bazaba congolais oyo basepeli kosalela oba bengi légitime défense. Alors pour ces congolais là, dans le contexte de la loi, ils n'ont pas les relations avec nos FARDC. Associer les rebelles à FARDC pour trouver un alibi, ça n'a pas de justification.
les Congolais qui sont dans des zones où yo banda ba botami mususu papa na ya kufi mama na ya kufi soka zu mundu ki aza ko se défendre aza ko défendre patrie na ye. C'est dans le cadre de la légitime défense. Yo ko tchango na mutu ya FARDC o tchango na mutu ya gouvernement kaza ko armée en bango ndenge nini. Ce sont des Congolais qui défendent leur patrie de leur manière. Mukole ko si là, ah là on aura toutes les raisons de ramener mutu nyonso à l'ordre. Et voilà, c'est bien compréhensible. Donc nous devons, chers téléspectateurs, être fermes. Ezate soko yo ki sango ya mabe. Yo tiki biso okati singambu mususu okomi lokola ozalaka congolais okomi moitié moitié mboko yo nini non sango ya malam sango ya mabe tukotika lande ba congolais po toponaka pete kozala ba congolais yikampiko na mapingo boza kulanda biso. On vous encourage, vous n'avez pas fait les mauvais choix. Ezali choix moko ya sacrifice ko défendre ekolo ekolo ba défendre kango na moment nyonso dans les pires moments comme dans des moments de gloire. Tant que la guerre a été érigée un monument à Tolobi, voilà, c'était pour nous une fierté. Des gens sont tombés pour l'amour de leur patrie. Voilà, cette guerre, nous l'avons gagnée. Attends, aux autres, aux observer. Ce qui Rwanda na Simanaye moto azala kite, est-ce qu'il y a guerre normalement entre Rwanda et RDC? Voilà, nous avons toutes les raisons de comprendre de quoi il s'agit. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso ba sujet nyonso na lakaki bino yango wana ekomi na suka boza ebele bolandaka debout congolais. Bon lundi et merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Place aux ali tombola kaka bendele ya moto ezalaka tozala biso nyonso far dessin na motema bendele ekwe ya te esika nyonso ozali ata na pasi ata na esengo zala far dessin na motema mais ko bosa na peteke. Ma mentalité na biso nde mutu eza ko constituer blocage na changement tozo luka na mboko oyo ba congolais bele bazo ye bateke d'une certaine manière bango moko nde baza ko freiner mboka e avancer te yo zo laksaka baninga misapi peut-être yo yiba ya gouvernement te mais ozo faire partie pe na comité à freinage o ezo sala ke mboka e avancer te o lia ka mbonga moyibi soki ba simbiki ngani yo wana oyo telemi olobi nous ressortissant des demandant libération totale acharnement ba mo kilikili bazo tangi so papier o za na conscience na ngote mais pour na nini pour zo défendre muto asomba ka bato l'église soki église ekwei muto yo akoma kunde bembe soki na mboka muto akufi ye muto asomba ka cercueil to changer ba mentalité. Merci mingi na ndekombi a chaque azaki na sima caméra oyo pour émission oyo ekomela bino na tondi botondi na apôtre Gérard Kabeya na mama Thérèse pour na opportunité ko présenter émission oyo na GKM télévision. De la même manière, je dis merci à l'homme de la vérité des urnes, Jean-Louis Timbalanga, à monsieur le maire Boniface Mpunga, merci mingi na maman Bill Bilonda, merci na maman Lisette Mumbendu, à Yokanagalte, à Zoyokanali Susute, Bambote Bele, pe bon début de semaine, na bino nyonso, na bosani penda mingi te, notable ya grand bandundu, kuna na gungu, Bastien Kimbamba. On est ensemble. Merci à vous. On se revoit prochainement.